Bonjour, c'est Dominique. Je suis en train de travailler sur un projet et je faisais une carte, une page interactive et je voulais. J'étais en train de faire la base et je me suis dit, ces pages sont tellement faciles à faire et elles peuvent tellement être répétées dans un album à plusieurs pages. Je me suis dit, je vais vous faire un petit tuto là-dessus. Alors là, je suis en train de travailler sur un petit album, les petits livres journal que j'ai fait souvent. Et ici, il me restait un espace, j'ai dit, bon, je vais faire une page. J'avais déjà fait cette technique dans le petit livre avec Wild and Free, mais peut-être je n'ai pas insisté sur le fait que cette page peut être une façon vraiment très facile pour vous de faire fabriquer vos albums, de faire vos pages de vos albums. Alors, si on ignore tout ce qui est ici, alors tout ce que c'est, tout simplement, c'est que vous avez une page, vous avez un espace ici où vous allez pouvoir coller et vous avez un gousset de chaque côté pour que les pages puissent se plier et quand on les tourne, qu'elles puissent se coucher les unes sur les autres. Alors, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Alors, premièrement, moi, je travaille avec des feuilles qui mesurent 21,6 cm par 27,95 cm. Alors, le format de papier normal, papier à imprimer. Alors, ce que vous faites, dépendamment du projet, alors je ne vous donnerai pas les mesures, c'est juste que je voudrais vous montrer comment vous pouvez adapter à tous vos albums. Alors, ici, moi, je travaille sur cette largeur-ci. Alors, de ici à ici, c'est l'espace où est-ce que c'est que je mets mes pages. Alors, vous prenez l'espace, le côté de la feuille qui est le plus long, et sur l'autre côté qui est plus court, vous allez tout simplement faire une marque de la largeur. Vous coupez votre feuille, OK? Alors, ce qui vous reste, c'est un morceau comme ceci. Ensuite, vous allez décider quelle hauteur les pages vont être. Alors, si vous dites, bon, mon album, il est de cette largeur-là et je ne voudrais pas que les pages soient trop longues, alors je voudrais qu'elles mesurent jusque ici. OK? Alors, faites une marque. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez faire une ligne de pliure à la marque où vous avez marqué. OK? Là où vous avez fait une marque. Vous allez faire une marque un peu plus haut vers la page elle-même à 5 mm, je crois. Excusez, parce que j'ai travaillé en pouces. Alors, si je regarde ici ce que ça mesure, oui, exactement 5 mm. Alors, j'ai fait une deuxième ligne à 5 mm. J'en ai fait une autre ici. Là, ça dépend. Ça dépend quelle épaisseur vous voulez faire vos interactions. Alors, moi, je dirais le minimum un autre 5 mm. C'est pour faire une flap ou deux, et puis bon, rien de trop épais. Okay? Alors, ça nous donne le 5 mm qui va avoir que les pages vont avoir des interactions à l'intérieur. Alors, ça vous donne ça. Excusez, je vais vous le plier correctement. Ça vous donne ça d'épaisseur pour faire vos interactions. Alors, si vous voulez faire des interactions qui sont plus de flap, qu'une cascade interactive, quoi que ce soit, à ce moment-là, peut-être mettre un peu plus. Ensuite, alors vous faites cette marque là où vous avez décidé de l'épaisseur de vos interactions. Alors ici, moi j'ai mis 5 mm parce que ça sera peu. Alors peut-être une flap ou deux, c'est tout. Ensuite, vous faites une autre marque de la même largeur que celle que vous avez fait ici. Alors un autre 5 mm. Alors ça peut être 5 mm, 5 mm, 5 mm. Je crois que ça serait vraiment le minimum. Si vous voulez faire des pages plus épaisse, alors j'irai peut-être 5 mm, 8 mm et puis 5 mm. Ensuite, vous remesurez la même longueur que vous avez à partir de la première ligne de pliure jusqu'ici. Alors, vous la mesurez encore. Vous faites une ligne de pliure, vous faites une ligne de pliure ici encore. Et j'aime bien faire une deuxième ligne à environ 1 ou 2 mm. Oui, 1 mm, c'est suffisant. Parce que je trouve que quand on plie le carton, quand on travaille avec du carton épais, comme celui avec lequel je travaille, ça fait des meilleurs plis. Et ensuite, ça donne l'espace pour mettre du papier à l'intérieur. Alors, vous faites une autre petite marque. Ensuite, il vous reste quoi que ce soit. Alors, si vous avez travaillé avec du 30 cm, vous allez avoir peut-être un morceau à peu près long comme ceci qui va vous rester. Ça peut faire une flap ou ça peut faire une poche, une pochette si vous collez les deux côtés. Ça fait ce que vous voulez. Mais moi, je ne le coupe pas. Vous pouvez le couper si vous voulez, pour que ça soit plus simple. Mais moi, j'aime bien garder mes flaps qui sont déjà posées. Alors, pourquoi couper et reposer ensuite? Dire, ah bien, j'aurais aimé avoir une flap ici et la reposer. Alors, j'aime autant ne pas la couper. Je la garde, je la plie. Donc, je vais vous montrer, ça plie très bien comme ceci. OK. Alors, en la pliant, bien, ça me donne soit une flap. Je vais arrondir les coins, si je veux. Je le fais toujours parce que sinon, les coins viennent qui se plient, se brisent. Ou, si vous voulez,
en arrondissant pas les coins, vous pouvez coller de chaque côté, vous avez une pochette. Alors, ne jetez jamais, ne coupez jamais vos excès. Alors, c'est ça. Et puis là, dépendamment de ce que vous avez décidé pour l'espace ici, bien, je laisserai cet espace-là entre chaque page. Vous pouvez en faire plusieurs comme ça. Vous pouvez en faire 3, 4, 5, 6, comme vous voulez. Et toujours coller comme ça dans votre livre. Alors, moi, je vais la coller ici. Et je pourrais en mettre une autre si je voulais. Mais j'ai décidé que non, parce qu'ici, c'est assez épais. Et puis, je vais mettre quand même une bonne interaction de ce côté-ci pour remplir justement l'espace. Alors, si vous voulez faire des grosses interactions, vous laissez plus d'espace entre vos petits cahiers qui sont comme ça, vos pages, vos doubles pages. On peut les appeler les doubles pages, parce que c'est deux pages. Alors, on peut laisser un espace plus grand dépendamment. Alors, il faut prévoir peut-être la tranche ici, dépendamment du nombre de pages que vous voulez, avec l'espace que vous voulez. Alors, c'est juste un petit truc que j'ai trouvé qui... Moi, je crois que ce sont les pages les plus faciles au monde à fabriquer. Alors, c'est vraiment simple. Et vous ajoutez tout simplement vos interactions. Mais... si vous faites des pages comme ça, je vous recommande vraiment d'avoir du carton plus épais. Parce qu'il faut que ça se tienne bien. Si vous êtes pour ajouter des flaps et des cascades et tout ça, ça va prendre du poids. Ça va rajouter du poids. Alors, ça vous prend quelque chose de bien rigide. Je crois que c'est 160 de grammage et 160, je crois, de ce carton-là. Alors, c'est pas du petit papier cartonné. Bon, j'en ai pas ici. J'en ai ici, comme ceci. Vous voyez, ça c'est très mou. Ça, c'est le régulier. Ici, vous voyez, il est beaucoup plus rigide. Ça, je crois que c'est le 160. Ou ce qu'on appelle, en anglais, le heavyweight. J'en parle souvent. Alors voilà, c'était un petit truc que j'ai pensé peut-être qui pourrait vous servir pour fabriquer vos pages. Alors que quand je fais des pages à pochette, tout ça, c'est peut-être un peu plus complexe. Alors ça, c'est vraiment très facile. Et puis, vous avez quand même, en ayant le deuxième gousset, vous avez quand même la possibilité que quand vos pages vont, quand vous allez les ouvrir, elles vont avoir ce pli extra qui fait qu'elles vont se coucher sur les autres. D'ailleurs, quand vous les pliez, je recommande de plier jusqu'à un angle de 90 degrés, pas plus. Okay? Parce que vous allez le briser, déchirer le papier quand même. Alors, vous voyez, ça donne ça ici. Alors, vous avez le gousset où est-ce que ça va être collé sur votre tranche et vous avez les deux goussets pour que vos pages se plient les unes sur les autres. Alors là, c'est un truc vraiment, vraiment facile. Je vois pas comment je pourrais expliquer mieux. C'est vraiment la simplicité même. Et puis, je recommande vraiment de faire vos pages comme ça. C'est surtout les débutantes, celles qui ne veulent pas trop se casser la tête pour ne pas avoir des choses trop compliquées. Alors vraiment, vous pouvez faire de quoi de très simple ou vous pouvez ajouter des interactions comme vous voulez. Alors voilà, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous pensez l'utiliser... et avez besoin d'explications supplémentaires, écrivez-moi dans la boîte de commentaires. Et comme vous voyez, je fais des tutos, je vais bientôt présenter ce petit livre ici. Mais je voudrais fabriquer l'album dessiné avant. Alors, je vais vous le présenter après. J'en ai un autre à faire aussi dans ce style. Alors, je vous les présenterai après l'album dessiné. Alors, si vous vous abonnez à ma chaîne, vous allez voir toutes ces choses-là, ces belles choses-là, les petits trucs. Vous avez des questions, je vous réponds, je vous écris. Si ça a besoin de plus d'explications, je vous fais même une petite vidéo tuto pour expliquer cette technique où vous avez des questionnements. Alors, vous avez le service vraiment adapté à vos besoins. Alors, profitez-en et cliquez sur le « Je m'abonne » et puis aussi sur la petite clochette « Question d'être avisé » aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive sur ma chaîne. Alors, merci et à la prochaine. Bye bye!